Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on est à Perpignan et il est à peu près 11h, notre avion il a un peu de retard, il avait 40 minutes de retard. Donc du coup on attend tranquillement dans la jolie salle d'attente qui est derrière moi là, qui est super sympa. Et du coup l'avion vient d'arriver, on va pas tarder à embarquer à l'intérieur pour aller à Paris. En train d'attendre mon chéri parce que du coup on fait un tour de rôle pour les toilettes parce que je vous montre juste là. Voilà, on a un grand paquet de valises. Du coup, on attendra 20h50 de pouvoir prendre l'avion pour aller à Manchester et ensuite rendez-vous à l'hôtel Clayton. Donc là, je m'en vais à la Voyage Dorée rejoindre mon chéri. Du coup, ça y est, j'ai pu aller aux toilettes pour prendre un petit goûter. Donc je vais vous montrer ça et puis ensuite, on va encore attendre que notre vol arrive. Je crois que c'est interminable, mais d'un autre côté, c'est ce qu'on a voulu. Donc au moins, vous le voyez. Arrivé ici à 14h30, on a pris un Uber de Paris Orly à Paris Charles de Gaulle, mais comme j'avais pas reçu mes cartes d'embarquement, je n'ai pas filmé parce que je préférais vérifier que j'avais bien mes cartes d'embarquement sur mon téléphone. Donc ensuite on est arrivé, j'ai pu récupérer mes petites cartes d'embarquement et là du coup on attend depuis 14h30 que notre avion arrive à 20h50, donc embarquement à 20h, donc ça fait une grosse attente. Donc là je suis à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle et j'ai essayé de tenter de me récupérer un café et ça n'a pas fonctionné, c'était pas un grand succès. Donc écoutez, je vais annoncer ça à ma petite Paul. Est-ce que vous pensez que mon avion sera plus gros que celui-là? Non, moi je pense pas. De toute façon on aura la réponse demain, mais moi je pense pas. Je pense pas qu'il sera plus gros. Donc il y a plein d'arcades comme ça, plein de jeux vidéo, de jeux de console, voilà, pour vous occuper. Il y a aussi des PS4 qui sont un petit peu plus loin, qui sont disponibles. Là-bas, vous avez des magazines, enfin. Et du coup, il y a Donkey Kong, Tetris. D'ailleurs, on va faire une partie de Tetris que je vais vous montrer juste ici. Petite partie de Tetris concours. Non, moi, je sais pas, j'ai que des zigzags chelous, là. Franchement, je suis nul au Tetris. Oh non, ça a posé mon truc alors que je voulais pas que ça le pose. On est en train de choisir notre graillou. Moi j'ai pris un sandwich jambon cheddar, le plus classique qui soit je crois. T'as pris quoi toi? Ouais voilà, le même que moi, sandwich jambon cheddar. Bah, le truc c'est qu'après c'est que des trucs un peu chelous franchement. Mais de toute façon je vous ai mis une vidéo de ce à quoi ça ressemble, mais ça me tente pas trop. Bon les amis, on vient d'apprendre qu'il allait y avoir un peu de retard, mais on vient de le voir arriver. Donc voilà. Donc du coup, on vient de voir arriver. Il est tout petit par rapport aux autres, notre avion. Il est vraiment tout petit. C'est tout petit, je me fais comprendre, mais il est vraiment petit par rapport aux autres. Bon, normal, hein, c'est un vol court. Donc on est en train de boire le coca, on a pris les sandwichs et puis on va voir quand il voudra bien nous recevoir. La dernière fois que j'ai filmé et nous allons enfin dans l'avion. Donc du coup oui, effectivement il avait un petit peu de retard, mais dehors vous voyez derrière moi qu'il fait un super temps à Paris comme d'habitude. Et du coup là on va embarquer, hein. Ça y est, on a nos petites valises, tout c'est parti. Ça y est, on est dans l'avion, donc direction Manchester. Donc du coup il a décollé à 21h40, super tard à l'hôtel, je pense qu'on va pas arriver avant minuit. En tout cas on va arriver à 23h, mais le temps d'aller à l'hôtel, de tout trouver et tout, je pense que ce sera pas avant minuit. Arrivé donc au Clayton Hotel à Manchester, donc qui est un super bel hôtel, mais comme il fait super nuit et froid dehors, je vous le filmerai demain. Mais par contre, je vais quand même vous montrer la chambre qui est vraiment super jolie, super spacieuse.
Regardez, moi et mon chéri, je vais me mettre à un bout de la chambre pour que vous voyez. Il est super loin. Il est là-bas au fond, là, le petit truc vert. Là. Ben voilà, je vous montre ça. Semaine, c'est un très très bon hôtel, je vous le recommande vraiment, il est très très bien. Le service est top. J'ai pas pu filmer le service à l'aéroport parce que c'était assez galère, ça. Mais je peux vous dire déjà que le service de navette, vous appelez, en fait il y a un petit téléphone où ça affiche en jaune comme quoi vous pouvez appeler les hôtels avec. Vous appelez donc le numéro qui est affiché de votre hôtel, donc voilà, moi c'était pour le Clayton. Et vous avez la navette qui arrive dans les 2 minutes juste après, donc c'est un petit bus, le mec il vous met les valises, il vous emmène, franchement. Parfait. Bon, sur ce, les loulous, nous, on va aller au dodo. Les amis, ça y est, j'ai revêtu mon pyjama Mickey mini spécial voyage à Walt Disney World. Et du coup, je vais vous dire bonne nuit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu ou bien un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper une seule de mes vidéos. Bah sur ce, sinon on se retrouve demain donc au Clayton de Manchester au moment où on partira, puis ensuite à l'aéroport de Manchester, direction Walt Disney World Orlando. Ça y est, c'est parti, là c'est le bon vol. Gros bisous et puis à bientôt.